Salut Zach, salut tout le monde, vous allez bien? Dans un instant, vous allez être fiers de moi quand je vais vous montrer le jeu, vous allez être vraiment contents. Vous allez être là, putain, il s'est pas foutu de notre gueule. Pour une fois, j'ai tenu ma parole et je me suis pas foutu de votre gueule. Je vous le montre en très rapide. Attention, attention, attention. Wouh! J'ai mis un skin! Les logos, les visages! Ouais! Wouhou, le jeu est beau! C'est lourd! Non, ça fait plaisir! Franchement, ça fait plaisir, moi je suis content! Allô, allô. C'est passé quoi pendant les vacances? Il y a Galtier, attendez, il y a Galtier. Il y a Galtier qui voulait me parler parce qu'il était mécontent de l'accord de prêt de Balouli parce que j'avais mis un joueur utile, il n'a pas joué une minute. Ok, bon bah déjà bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va et toi? Ça va les Bonsoir. frères, Yanis, tout le monde, ça tout va bien? Tranquille. Attendez. Tout le monde, super. Ah ouais, ça va, ça va. Yanis, Kenz. En fait, c'est-à-dire, c'est trop chiant de devoir préciser à quel Yanis tu parles, donc vous me faites chier. Voilà, je le dis, vous me faites chier. Ton skin, Voilà. il pique les yeux. Oh là là, c'est pas le skin, là, c'est le fond. En fait, il faudrait que j'aille l'enlever, tu vois, à la rigueur, si je veux. Je pense. Recha Ouais, essaye. recharger le thème. European Et normalement, il devrait plus y avoir le background. Après, attends, ça m'a mis... Attends, attends, là, ça m'a mis un vieux fond de bureau, gros. C'est encore pire. Soft. Ouais, ça m'a mis un bureau en fond, frère. Comme si j'étais Ah en bon? réunion. C'est le fond des discussions avec le président. Ouais, mais sauf que je suis pas en discussion avec le président. Et pourquoi il y a un... Mais je comprends pas pourquoi le fond c'est un bureau en fait. À la base c'est pas un bureau. Je pense que ça va se mettre à jour après le match. Tu sais, c'est là le match, c'est un bureau aussi. Genre. Ça va être le gameplay de Yannis En direct du Poker Simulator. cabinet d'avocat. Poker Manager. Let's go. Bonne chance à tous. Bonne chance à vous, les gars, en espérant réellement que vous puissiez Sauf à gagner. Ken. Ah, ça y est, Ken, c'est devenu ton pire ennemi. C'est le Nemesis. Mais non, ça devrait être tout. Ils attendent ça. Tu vois, j'inspire le pays. Là où il a révolutionné le foot en Italie. Bravo à J'ai toi. révolutionné votre pays de merde. Oh bah c'est pas très sympa. This shit country doesn't deserve Napoli. 15 years I play football, 15 years. Oh là là. Et ben voilà, il y a 1-0, ça y est. Allez, Voilà. causerie de l'histoire. Le Napoli tombe aujourd'hui. Dixième minute, je perds 1-0. Quoi, Lazzari est blessé? Let's go. Mais non, Zach, mais tu régales. blessure rouge en plus! Mais non! Zach, tu régales. Frère, ta gueule. Frère, mes joueurs ils sont en train de drop une disaster class et durant mon vu. Suis en frais de calange là. La pelouse a bien été arrosée, Christian. Coréa, Coréa! Et but à Milan! Oh, j'ai mal au cœur. 1-0 à la mi-temps, mais bon, ça À va, t'as domicile, pas à l'extérieur. À domicile. Ah bah Il c'est va bon, t'as rater. gagné toi. Oh, let's C'est pas go! possible! Let's go! Il a gagné un V1! Il a gagné un V1! Wouhou! Allez. Ça Oh! m'aide pas, Immobilier! Non, Immobilier! T'as pas le droit! Il marque un truc de fou et il rate l'inratable! On va tenter un changement tactique. Je souhaite pas t'aider car t'es mon concurrent direct. Oh! La lucarne de Zielinski! Oh! À l'extérieur de la surface. C'est irréel, sérieux. Centre. Allez, Johnny. Non! Mais non! Ça va jamais rentrer, mon Allez, frère! encore un V1 raté, allez, c'est parti. Allez, Le allez, rouge pour le immobilier! Immobilier! Torino! Encore un V1 raté, moi aussi! On joue à 10 contre 10 ici, hein. Let's go! Let's Est-ce go! Goal, 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 Il a trop de chance, lui! J'ai mis gagner du temps de temps en temps, il reste une dizaine de minutes, on espère, avec Nouri pour immobilier, peut-être un V1, immobilier! Immobilier! Le 3-1! La passe décisive! Avec Nouri, immobilier avec 2-1 V1 sur ce match! Un gros match à la Fio! Allez, penalty pour la Fio. Oh, si je prends deux buts Oh, en quelques minutes, je crois que suis peu. effondré. 5 minutes de temps additionnel en plus. Ok, attends, 3-2, je gagne 3-2, ça va. Consigne d'équipe, attends. Là, si tu mets très défensif, tu vas perdre, hein, sache-le. Donc, ne mets jamais cette tactique de merde. J'ai mis prudent. Ouais, faut toujours. À chaque fois que je mets très défensif, je me fais rattraper. C'est incroyable. Ah ouais, c'est bon, c'est passé. T'es mal les stats de mon Eh, match. mon fond, il est passé du bureau à un vestiaire. Au vestiaire, frère.
Pourquoi est-ce que j'ai essayé de toucher un truc? J'aurais dû jouer au jeu. C'est cause comme ça, rien, rien. La dernière fois que j'ai essayé de modifier un truc, ça m'a coûté un clavier tellement ils m'ont rendu fou dans le chat, gros. C'est du rarement vu, sérieux. Les gens font que chialer, chialer, chialer. Zach, voilà, ma Max, c'est du beurre. Voilà, skin par défaut, vous me cassez pas les couilles. Voilà. Y a plus de fond, y'a plus rien, gros. Attends, l'autre, qu'est-ce qu'il me raconte? Je te jure que, gros, Romsid, t'es banni si tu me dis de la merde. Voilà, comme ça. Tu mets FM skin, puis y'a une télé. Quelle télé? La confirme. Attends, oh, il y a une télé, sa mère. Et oh, ya Rabbi. T'as gagné. Romsid. T'as gagné, monsieur. Bravo. On va faire jouer Robert R de Angelis, hein. Un petit jeune de la Masia, la Djali, voilà, qui pue sa mère, voilà, je le dis. Une étoile de niveau, il pue sa mère. Il est trop nul, hein. Allez, bah bonne chance à vous les gars, hein. Je vous souhaite de la réussite. Quasi irréprochable, et bah voilà, regardez, même le chat ils le disent. Peut-être premier match qui ne sera pas. Oh, Luis Alberto le coup franc, magnifique mon gars. Oh, la ville de la Camorra donc. Et t'es ici pour les dénoncer? Oh dommage, Caicedo. Je te jure, la vérité va éclater au jour. Hein. Oh mais frère, je vais jamais marquer le deuxième. Yannis Elman. Là je pense qu'à Edoui Plenel qui fait un article sur moi dans les. Let's go. Edoui. T'as pensé quoi du match de Cacré, Yannis LV, mon frère? Très moyen, mais bon, les gens s'enflamment alors qu'il n'a rien de plus que Catuzard. Oh, Luis Alberto, le doublé, let's go. Et sans troll, qu'en as-tu pensé? Bah, juste que c'est un joueur que tu aurais dû mettre depuis bien longtemps et qu'on avait bien raison de le réclamer et que le football, c'est pas. Comme l'a très bien dit Maxence Cacré, le football, c'est l'intelligence avant le physique. Non, c'est moi qui vais les prendre quand je me ferai virer, je vais les reprendre. Yannis, gros, il va se faire virer, il va faire une carrière en parallèle en Ligue 1. Tu sais que si tu te fais virer, gros, c'est dramatique, hein. Parce que là, je pense que déjà, t'es dans une situation, si on va, genre, si tu vas dans ton onglet dirigeant, je suis pas sûr que t'es... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme ça, hein, Yannis. T'arrêtes de puer la merde, peut-être, je sais pas, moi, je propose. Oh, la violence. Quel coach? Vision du club, ils veulent que je joue la contre-attaque. Rester dans les limites du budget, dans les temps, content, ravi. Moi, j'ai pas envie. Ton onglet vision du club, il doit être terrible, Yannis. Fais jouer le ballon dans la surface, en général, ça aide bien, ça. Ouais, mais tu me prends pour un con ou quoi? Ouais, je l'ai déjà. Yannis, quand ils voudront le résilier, lui, il va kiffer parce qu'il va devoir faire le contrat. Lui, il va être trop bien. Vraiment, il va être trop heureux quand ils vont le virer, il va devoir faire le contrat, souligner tous les paragraphes avec le stabilo et tout, gros. Vraiment, il sera trop parfait, gros. Alors, Berardi, attention qu'il progresse. Berardi. Goal. Il n'a pas été attaqué, il est parti de son camp. Ils veulent recentrer un peu le jeu, donc est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un petit truc, tu vois, tactique comme ça pour... Ah, ça va être jouer sur les ailes. Putain, t'es vraiment intelligent, toi. C'est toi qui analyse le jeu à la perfection. Oh, mon frère. J'avoue, mais quand même, toi. Tu dis, les lieux gauche. Dès qu'il est pas à l'entraînement, il joue. Déplacement, dans l'avion, tout le temps, il joue. Non, ouais, mais lui, il jouait de ouf dans le bus, tout ça. Analyse. Ça, c'est ton cousin. Putain. But contre son camp, 89ème minute, je suis effondré. Comment je marque contre mon camp à la 89ème minute? Bah, c'est qui le prince qui a marqué contre son camp? Ah, il te nourrit, fils de... Le couvre d'or. Regardez-moi ce but de merde. Il est tout seul, gros. Regardez, il la met directement dedans. On dirait c'est l'attaquant qui a marqué, regardez. Bah, il travaille sa finition. Ouais, ça devait être ça. Il a une sacrée finition. Là. Bon, finissez vos matchs, faites continuer. Parce que là, je suis déprimé. Si je gagne pas contre Yannis, il y a moyen que la session FM s'arrête là. Putain, mais le Napoli, bon, encore 3-0 banal face à la Spal, gros. Attends, on va regarder ton calendrier, mais le mec, il a fait que gagner, gros. Attends, mais c'est sa 12ème victoire en 12 matchs depuis le début de saison, gros. Je dois passer un coup de fil, je vais me déconnecter d'internet. Hein. FM, ils m'ont montré, ils m'ont envoyé petit. Ah ouais, c'est vrai que maintenant j'ai un petit carnet FM, je vais pouvoir noter des choses dedans. Non.
Bon, espèce de sale escroc, bah, tu vas noter quoi? Ah bah je vais noter toutes mes tactiques, je vais noter mes rapports de match. Allez. Allez, moi cet acteur là. Allez. Et... il passe pas le mois de mars. Hein. Et toutes mes tactiques, il a dit. Et j'ai Football Manager aussi. Zach, sur son carnet de coach, il dessine des bonhommes. Mais attends. Moi, mes tactiques, elles sont fantastiques. Il dessine, tu sais, le S bizarre qu'on faisait là au collège. Attends, mais vous allez arrêter de me vanner. Attends, mais c'est session vanne sur Zach là. Et tout de suite, c'est parti pour Roma Lazio. Eh non, c'est pas parti parce que j'ai pas encore fini ma causerie. Putain. Ah, ils sont bons, ouais, la Fio. Ils ont Ribéry. Attention, et attention, attention. Oh, sa mère, voilà. J'ai eu peur. Le festival d'occasion ratée peut commencer. Correa, attention, le contre. Le mec, il a la contre-attaque. Correa, le contre. Correa, le contre. Oh, le penalty. C'est un penalty, monsieur. Ça, ah, c'est un penalty. C'est un penalty. Et je vais le rater, tu vas voir. Oh, c'est un penalty. Et un rouge, peut-être, on espère. Un rouge, ça va pas ou quoi? Penalty! Let's go! Il va le rater, je sens qu'il va le rater. Mais non! Let's go! Let's go! C'est parti! Oh le but de merde! Oh j'ai eu peur! Eh ça me casse les couilles ce jeu de merde, niquez vos mères, vas-y c'est un jeu, quand tu peux pas gagner, tu gagnes pas. Ah bah c'est hashtag, c'est vraiment hashtag analyse! Quand tu peux pas gagner, tu gagnes pas, bah ouais! T'as fini tes changements? Qui ça? Toi. Ah non, je suis en train de quitter le jeu là. Non, pas fait tes changements Ego, retour. Oh, j'allais merde. Dire tu dis quoi, il va le rater lui, vas-y, voilà. Allez, super. On est... Attends, tu te crèves là les occasions, ça va rentrer au bout d'un moment. Non, je l'espère pas en tout cas, mais. Oh, je suis effondré. Ah, par contre, Yanis, dès que Zach il commence à être gentil avec toi. Enfin, dès qu'il commence à être gentil avec toi. C'est... non, c'est vraiment, vraiment, c'est que tu fais de la peine, genre. Eh hey, Berardi, Berardi, peut-être un long ballon pour Immobilier, Immobilier, le 2-0, le 2-0, goal, 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 goal. Attends, mais l'action, là, elle va jamais se finir, il marque, putain, je suis effondré. Quel blague, sérieux. Vas-y, nique ta mère. Oh, j'aurais cassé un truc à ta place. Oh mon dieu, oh, je suis désolé pour toi, gros, ça fait de la peine. C'est que du virtuel, c'est que Football Manager. En fait, c'est du roi football, on dirait. C'est vrai que sur FM19, j'ai l'impression que tu pouvais plus maîtriser les matchs, tu vois. Il y avait des matchs où je sentais réellement que je maîtrisais, tu vois. Alors que là, c'est vrai que c'est un peu plus décousu, je dirais. Oh là 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 là, le 3-0. Le 3-0, mesdames et messieurs. C'est tu me dois Uber Eats, du coup. Bah non, parce que j'ai jamais été d'accord pour ce genre de... Et voilà, à chaque fois, dès que... Bah, c'est vrai, est-ce que tu te souviens que j'ai été d'accord pour ce moment? Bah, j'ai pas consenti pour ça, hein. Bon, d'accord, je t'accorde le bénéfice du doute. Tout va mal, alors, Roma, putain, tout va mal. Satisfaction principale, content de la victoire convaincante de la Lazio 3-0 face à la Roma. Bah alors là, t'es tranquille et t'es supporter, toi. Ah là, je suis au calme, hein. But we saw continue... Luis Alberto. J'espère qu'ils vont vite redescendre sur... Vous jouez qui, les gars? Vous jouez qui, vous? Je joue à la Sampdoria, un déplacement hyper difficile. Et Bologna. Attends, parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Yanis si. Zob. Cagliari. Et toi, mon frère Hawkins? Bologne à la maison. Putain, mais ma défense, elle joue trop haut, mais j'ai pas envie. Pour Berardi, Berardi d'un profondeur pour Immobilier, Immobilier, Immobilier! Let's go! Bête de joueur, mon frère! Attention. C'est la Juve, ils ont... La Juve, ils ont un historique de choke quand ils ont le championnat bien ouvert à eux. Alors. On joue le maintien. On joue le maintien, il a dit. Bon, c'est une victoire de mon côté, ça fait plaisir. Un bon match. Ah, c'est enfin un gros Inter-Roma là tout de suite qui se profile. Oh putain, j'en ai marre de me prendre des raclés à domicile. Est-ce que ça parie un Uber Eats tout de suite là? Non. Voilà. Voilà, comme ça, tous les deux unanimes. Allez, c'est parti pour les matchs, let's go. Vous jouez qui, mes amis? Genk. Sparta. Prague. À l'extérieur. J'habite dans le 9-2, je suis à 15 minutes de Paris. Cataldi. Oh, le coup franc, non! J'ai cru qu'il y avait but! Eh, par contre, moi, je suis en train de faire 0-0 contre Lugano, là, c'est... Eh, il va falloir la chercher, la qualif en Europa, mon pote. C'est à 86ème, frère. Eh, je veux qu'on se retrouve en quart de finale d'Europa, hein. Attends, je vais prendre un but, là. Oh oui. J'ai failli prendre un but. Bah, en vrai, ça va, il... Oh là là, magnifique, magnifique,
16ème minute, waouh, let's go. Non, tu peux pas parler normalement avec ce connard. Mais t'es mort, frère. Non, mais regardez sur mon stream. Putain, mais j'étais en conférence de presse. Même moi. Mais arrêtez les conférences de presse de tocard, là. Espèce de dictateur de mes couilles. 5 secondes, t'as pas pu nous laisser. Ok, je m'excuse, voilà. C'est trop tard. Pardon. Le mal est fait. Bah, Loulou, c'est une réussite pour l'instant. Bah écoute, je viens de recevoir un rapport de l'entraînement, c'est celui qui s'entraîne le moins bien de la semaine. Mais c'est vraiment un gros fumeur de gitane maïs, gros. du coup, je lui ai fait la morale, il a dit oui, y a pas de soucis, je comprends. Putain, mais même dans le jeu, c'est un fumeur de gitane maïs. Bah écoute, le jeu semble réaliste, du coup. Ouais. Bienvenue dans l'After 3615, on a avec Greg, un supporter animaux, salut. Salut, les gars. Moi, je trouve que Daniel Rello, il dit que de la merde. Oui, bah bien sûr. Toi, ouais, tu connais tout, écoute, et moi, je connais ta gueule, hein. Retourne avec tes potes, ni moi. Va croire au. Oui, allez, fais continuer, toi. Fais continuer. Non, Daniel, arrête, tu peux pas dire ça, Daniel. Monsieur Zim. Zakonin. Reste avec nous, Greg. On va te filer des places. Allez, on va jouer. Dites-moi si je me trompe, mais si jamais Felvert, il met pas de triplé, et ben peut-être que son équipe, elle ne gagne pas. Non mais c'est honteux, hein. Ça c'est Jonathan McCarty. Le problème avec Dis, j'ai vu un petit attaquant argentin de 17 ans qui joue dans le club brésilien de Porto Rico. Je peux vous dire. Il joue dans le petit club argentin de Vancouver qui... Vancouver, t'es sûr Jonathan Vancouver c'est pas dans le Canada Vancouver. Mais je te dis que non, putain. Ouais, Ludo, t'en penses quoi, Ludo? Oh non. Oh non, mais il donne le but, sale fils de pute. Et là, il est là, Zim, ou pas? On est avec Yanis, supporter Barcelona. Yanis, qu'est-ce que tu penses du Mazar? Ouais, bah moi, je pense qu'il faut garder, Valverde. Il fait du bon boulot. Merci, Yanis, tu restes avec nous, on a un maillot à te filer. Vas-y, maintenant, vous voulez faire l'équipe du soir ou pas? Vous voulez faire l'équipe du soir? Attends, mais je suis en train de me faire fumer, moi. C'est 36-15, l'after foot, reste avec nous. Let's go! Allez, 2-1! Zach, c'est le roi du let's go. C'est vrai, je suis un marchand de let's go, tu peux le dire. Un marchand de let's go. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Mais non, mais vas-y, mais c'est une blague, frère, ça me casse les couilles! Il lui a donné son numéro. Il lui a donné son numéro. Tu prends des buts de merde! Tu vois, je te suis vrai. Vous entendez, vous en pensez quoi? Oh putain de merde. Je me suis pris un but sur la tête. Oh la vie de merde, vous êtes des bâtards. Astérix, tu veux un sanglier? Oh la vie de ma mère, vous êtes des bâtards. Voilà, je sais c'est quoi. Elle est facile, celle-là. Si Mané s'appelait Marinho, on n'a pas de débat. Oh non, le but d'Immobilier à la fin, putain. 3-2. Ouais, je vais faire 3-2, frère. Laure, un petit mot. Alors, c'est vrai que... Là, je t'ai coupé la parole. Alors, voilà, la vie. Oh bah c'est doucement là. Attends, mais vous deux, vous êtes en train de vous jouer, il y a 2-0 pour l'Inter, ça dirait. Il s'en bat les couilles du match, j'ai juste imité des consultants sportifs. Il s'imite depuis tout à l'heure, il s'en bat les couilles. Attends, il y a Lukaku, il a pris le ballon, il a tourné sur lui-même, il a pris le gardien. Bon, Stéphane, on est au bord de la pelouse avec Yanis. Yanis, tu perds 2-0, qu'est-ce que tu peux nous dire? Yanis, c'est quoi la solution là? Bah écoute, je pense que là on perd 2-0, donc la solution ce serait d'en mettre 3 quoi, donc on va essayer d'en mettre 3. Ah, vas-y, vas-y. C'est vrai que t'as pas dit. T'es du con. Oh putain, on te le souhaite. Hein. Vincent, un petit mot. Non, je regarde. Le mec, il veut pas arrêter avec la vanne. Vincent, un petit mot. Vincent, le cas Mbappé. Alors, on est avec Mohamed Bouassi au bord. Arrête. Ah, ça se fait pas. Ah, merde, il a pas fini. Dommage. Le 2-0, ça commence à se sentir chez Yanis. Mais Yanis, ton équipe, elle se fait froisser. T'as même pas une réaction d'orgueil, rien.
Bah, tu dis ça en mode c'est moi qui ai la manette en main. Boulogne, ils sont 4. Du coup, on va faire le résumé. Bah, compétition, premier Napoli, toujours, avec enfin la première défaite et le premier nul. L'Inter, qui est bien revenu, son deuxième, 28 points. C'est super serré, hein. Moi je suis cinquième, avec 26 points, je viens de perdre contre le Milan. Voilà. Devant moi, il y a l'Atalanta et Bologne, qui mènent un gros rythme, rien à dire. La Roma, qui revient un petit peu, mais qui a quand même 10 points de retard sur la 5ème place. Mais Je vais vous expliquer, la Roma a gagné tous ses matchs dans cette session, sauf ses deux matchs contre les adversaires. Donc pas tous ses matchs. Ensuite, en Europa League, je suis quasiment qualifié personnellement. Vous êtes comment, vous, en LDC, un petit peu? Premier de la poule, toujours. Ok, très bien. Bah, moi, sur cette session, je suis sûr. 3 victoires en Serie A, 1 nul, 1 défaite et 2 victoires en Europa League. Voilà. Et ce sera tout. Et on devrait jouer dans les prochains jours. YouTube, le stream. Demain même. Demain après-midi. Ouais, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et on vous dit bisous. On espère que vous avez passé un bon moment, les frères. Voilà. Et un dernier mot, Vincent. Voilà, bonne soirée les frères, merci. Allez, dans le culot.